Loin de vouloir faire revivre les heures sombres de notre histoire, la ville de Coudekerque-Branche a organisé, à l'occasion de la 29e édition des Journées du patrimoine, un camp multi-époque. Installés à la Finvernade et au parc du Fort-Louis, des passionnés habillés en vikings, chevaliers, grognards napoléoniens, soldats de la Première et Seconde Guerre mondiale, ont donné vie à nos manuels d'histoire et nous ont permis, de façon ludique et éducative, de traverser et mieux comprendre les époques. Chaque camp a été reconstitué le plus fidèlement possible, offrant ainsi une image proche de la réalité. Le camp multi-époque à Coudekerque-Branche, pour rappeler l'histoire de la ville, si vous me permettez, par l'invasion des Vikings, ensuite le Moyen-Âge, on a eu aussi une période de Moyen-Âge, l'époque moderne, puisqu'ici il y avait le fort Vallière, le fort Louis, l'époque Empire, ensuite l'époque de 14-18, puisque nous ne sommes pas loin de Ypres, et ici sur la ferme Vernale, il y avait un aéroport où Guynemer partait faire la bataille sur, avec ses avions, faire la bataille sur Ypres. Et enfin, 39, l'histoire de 39 avec le rembarquement des troupes anglaises et des troupes françaises à Dunkerque. Et enfin, l'époque 45 qui est la libération. Un an, policier. Eh, vous me claquez, est-ce que vous ne ferez pas des colombins, les gars? Les enfants, ça sert à rien de leur expliquer à chaque fois qu'avec des mots. Ce qu'ils veulent aussi, c'est du toucher, du ludique et un peu de manuel. Donc en alliant les deux, on arrive à déjà toucher quelque chose. Et ce qui, du coup, permet de faire passer un peu mieux, par exemple, l'histoire de France, l'histoire historique sur les costumes, sur le manuel, sur tout ce qui est de vie courante. Je salue encore et acclame encore et encore ma foi dans la liberté. Dans l'égalité, dans la fraternité. Nous arrivons parmi vous à repousser. Alors le camp, donc c'est un camp militaire de la Seconde Guerre mondiale. On est un club de Gravelines qui a été créé en 2009. Et donc on représente la vie des soldats américains à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Convaincue de l'intérêt des reconstitutions historiques, la municipalité vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour un camp multi-époque encore plus riche avec plus de 500 reconstituants. Vive la Révolution !